Moi, j'ai créé l'ethnologie à Bruxelles. Ah oui. Enfin, il existait un cours, mais pas un cursus un cursus complet. Et comment vous avez réussi à gérer ces... En fait, vous avez fait des films sur l'ethnologie et des films sur l'art. Oui, j'ai même fait un film de fiction qui n'a rien à voir avec la technologie, mais encore qui était enraciné dans la réalité de la métallurgie liégeoise à l'époque. Ben écoutez, je suis devenu cinéaste par le plus grand des hasards. Je cherchais un job pour terminer mes études, étudiant à Bruxelles. Je m'étais brouillé avec mon père. Je me croyais surréaliste et j'avais pris au mot le mot d'ordre de André Breton. Lâchez tout. J'ai tout lâché donc. Ben, je me trouvais sans un rond dans l'obligation de. Et alors, par le plus grand des hasards, des amis communs m'ont fait rencontrer Henri Stock qui cherchait un assistant. Moi, je ne connaissais rien au cinéma, mais je m'intéressais plutôt au théâtre et à la peinture. Donc, je suis devenu cinéaste malgré moi. Et finalement, j'ignorais tout, même de l'art photographique. Je me souviens que, armé d'un Kodak, j'ai essayé de filmer les gens à Paris, aux Tuileries, en 47-48. Bon, alors, il se fait aussi que je suis devenu ethnologue par le plus grand des hasards. Je m'intéressais bien sûr aux écrits des anciens. Je cherchais le monde, la vérité du monde ailleurs, comme on disait Rimbaud. Et il se fait que l'Institut pour la recherche scientifique en Afrique centrale, tout à fait indépendant du pouvoir colonial, mais dépendant uniquement des universités, venait d'être créé et cherchait de former des jeunes ethnologues professionnels. On m'a soutenu, ma candidature a été admise et on m'a envoyé à Paris. Je suis un des derniers élèves de Marcel Griaul. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai Donc après, partagé quand mon vous êtes temps entre revenu le cinéma et l'ethnologie. à Bruxelles, c'était une filière nouvelle, du coup, au niveau Et universitaire. je donnais d'abord des cours par thème, et puis j'ai continué à faire du cinéma pour vivre, mais j'ai fait uniquement les films qui me plaisaient. Et après, l'enseignement s'est étoffé, j'ai fait de moins en moins de films. Je n'ai pas fait de film pendant 10 ans. Oui, après le film Leschinski, oui. J'ai publié beaucoup d'ouvrages. Et à un moment donné, Jean Rouch est revenu avec Germaine Guettorin à Bruxelles. Je gardais des contacts étroits avec Jean Rouch, qui était un ami. Et j'ai eu l'idée de faire un film sur la naissance de l'ethnographie dans différents pays. Et j'avais dédié à mon maître, Marcel Griaul, le premier film qui s'appelait Sur les traces du renard. À l'occasion d'une tournée à Bruxelles, à l'université, que Germaine Guettorin et Jean Rouch faisaient. Et donc, à ce moment-là, je me suis adressé au Centre bruxellois de l'audiovisuel, dont Henri Stock faisait partie, car c'était créé à son initiative, D'accord. pour encourager des projets farfelus comme le mien. Et bon, alors j'ai donc été au Mali, j'ai suivi Jean Rouch et il a expliqué ce qu'il faisait depuis des années et ce que Griaul avait commencé à faire. Alors j'ai proposé, j'avais comme une ambition aussi de faire un portrait des différents fondateurs de l'ethnologie en Angleterre, en Amérique, etc. Et j'ai proposé la BBC. Ils m'ont dit non, nous faisons ça très bien, nous-mêmes. Bon, on connaît assez l'isolationnisme anglais. Bon, je n'ai pas à vous faire le nom. C'est le chapitre 1 et dernier de l'histoire universelle de la naissance de l'ethnologie que j'ai fait. Et donc, il y avait 10 ans que je n'avais plus fait de toucher une caméra. Après, j'étais. Et c'est toujours vous qui filmiez? Enfin, c'était en équipe réduite. Vous aviez. Pardon? Vous filmiez toujours ou Non. vous étiez en équipe réduite? C'est-à-dire que quand j'étais en Afrique, j'ai fait le film et j'ai filmé moi-même avec une D'accord. petite caméra 7 mm Belleuel, D'accord. la même que Jean Rouch avait d'ailleurs. J'ai rencontré à mon retour d'Afrique en 1955 Jean Rouch. J'ai participé aux activités nombreuses, complètement occultées aujourd'hui par le nationalisme français cette fois, les activités du Comité international du film ethnographique, auquel
s'est joint Edgar Morin, qui avait fait avec Rouge Collégialité, qui est devenu le comité international du film ethnographique et sociologique, qui est l'ancêtre du cinéma de rire, de ce qu'on a appelé après, en ignorant que Jean Rouch avait promu non seulement le documentaire ethnographique, mais le documentaire social et sociologique, c'est-à-dire le cinéma du réel auquel Stork et d'autres, Evans, s'étaient intéressés jadis. J'ai d'ailleurs écrit à la demande de l'UNESCO, en 62, une petite histoire. Je ne sais pas si vous la connaissez. Non. C'est aussi inconnue. L'histoire est vraiment bizarre. Il faut 50 ans pour la découvrir. Alors, j'ai fait un document à la demande de l'UNESCO qui relate notre expérience. Et c'est le premier ouvrage consacré au cinéma et au sens social. Panorama du film ethnographique et sociologique. Donc j'ai essayé de vous montrer que nous avions été devancés par des gens illustres, notamment par Robert Flaherty, avec qui Stork était très lié, et dont on m'a parlé souvent. Mais je vous donne, comme c'est un ouvrage édité dans toutes les langues de l'UNESCO, j'ai encore un exemplaire anglais. Mais je ne suis pas sûr de la qualité de la traduction. Vous m'avez donné l'exemplaire anglais. Mais ceci, je crois que vous trouverez dans la bibliothèque. Mais... D'accord. Bon, enfin, je vous donne la version anglaise. Ben, merci beaucoup. Merci. Mais c'est uniquement les sciences sociales, hein. Oui. L'ethnologie et la sociologie. Donc, le comité du film ethnographique, en fait, était un membre de ce comité international dont il n'est plus jamais question. Il n'est plus jamais question. Nous n'avons pas d'archives, mais nous avons été, avec le soutien de l'UNESCO, Jean Rouch et moi, entraînés, et plusieurs autres, entraînés dans différents festivals. Locarno, Venise. Nous avons fondé le Festival des Peuples de Florence. Ça s'appelle toujours Festival des Peuples. Pourquoi ? Aujourd'hui, ils ont pris une ligne très commerciale, mais parce que c'est nous qui l'avons fondé, sous l'étiquette. Le Festival des Peuples, vous voyez, comme l'histoire, il faut la réécrire complètement. Hein. Ouais. L'histoire des documentaires est à réécrire complètement. Et ça a été mis de côté, toutes ces expériences. Silence absolu. Et il n'y a pas eu de fonds qui a été créé pour préserver ça, comme justement le fonds Restore. Donc c'est dommage. En plus, Jean Rouch vient de disparaître. Mais j'étais assistant de Henri Stork et Paul Hazard au moment où ils faisaient le Rubens à Paris. D'accord. Alors c'était toute une aventure parce que on ne savait pas comment faire, comment déplacer une caméra sur une photographie. Donc il y avait des photographies dont j'assumais le classement. Et alors nous devions avec des expérimentateurs à Paris, qui personne ne connaissait la technique, il fallait bouger. Souvent des courbes savantes, image par image, la caméra. Donc, ou bien faire tourner la table de montage. Et donc, c'était image par image comme un oui, film image d'animation. Par image comme un film d'animation. Aujourd'hui, on trace une courbe et on appuie sur un bouton et c'est l'appareil qui se déplace automatiquement. Bon, mais à l'époque, c'était très difficile à réaliser techniquement. Mm-hmm. J'ai été initié au film sur l'art en commençant par là. Et puis après, j'ai fait un film, un documentaire, donc j'ai appris la mise en scène aussi. D'accord. Voilà. Ça se passait il y a 50 ans, 47-48, oui. D'accord. Oui, oui. Et c'est vrai, quand on voit Rubin, c'est vraiment étonnant de voir la modernité des techniques utilisées, enfin, notamment les tracés. C'était très compliqué, oui. Vous avez fait comment, par exemple, pour ça ? Pour les tracés de traits par rapport aux courbes importantes du tableau. Eh bien, écoutez, le scénario était très précis. Parce qu'il n'y avait pas de palette graphique. Mais on ne savait pas comment... donc, Gudin, c'était M. Gudin, qui a tracé des lignes et qui s'est arraché les cheveux. Et après, on a trouvé sur un autre... Sur la pellicule ? Non, pas sur la pellicule. C'était sur un calque placé sur la photo.
Donc on déterminait les courbes et puis on enlevait le cac évidemment et on essayait. C'était toujours des reproductions sur lesquelles. C'était des reproductions. C'était, donc comme un bon titre. C'était, exactement. C'était un bon titre, mais on ne savait pas comment promener une caméra sur un bon titre. D'accord. On savait faire des mouvements simples, mais des mouvements très compliqués, ça demandait beaucoup d'imagination. Mmh. Et voilà. C'est vrai qu'il y a des mouvements très compliqués. Oui, oui, enfin, très, très compliqués. Par rapport au rythme de la musique, enfin, oui, qui suivent. Absolument, oui. Ouais. J'ai fait un mouvement très compliqué, beaucoup plus tard, sur un sort, sur le chef-d'œuvre d'un sort, l'entrée du Christ à Bruxelles, mais ça s'est réalisé comme très très facilement. On a calculé et puis la caméra parcourait sans qu'on intervienne le moins du monde ce qu'on avait voulu. D'accord. Oui, oui, ça avait changé complètement. Ça avait changé complètement, oui. Ouais. Mais c'était vraiment expérimental à l'époque. Oui. Oui, et c'est la première fois qu'on a fait faire des mouvements compliqués à la caméra, je crois. Mm. Parce qu'évidemment, les films de MR. Les premiers films liés sur l'art étaient très simples. Oui. Ah ouais, c'était d'une simplicité biblique, donc Storck a compliqué les choses. Mmh. Mais... C'est vrai que c'est étonnant, surtout quand on voit en fait Rubens et puis qu'on regarde par exemple Palette en France d'Alain Jaubert, on retrouve les mêmes choses, sauf que bon, avec la palette graphique, c'était extrêmement simple, alors que on se dit, bon, 48, comment ça a été? Oui, c'était du noir et blanc, évidemment, ouais, à l'époque. Ouais. Oui. Mais alors, bon, plus, le cinéma sur l'art, j'ai assisté à la naissance du cinéma sur l'art. Il y avait une association internationale, d'ailleurs, et les premiers films ont eu beaucoup de succès. Notamment, le Rubens a eu un grand prix à Venise, au Festival de Venise. Et après, aujourd'hui, il y a un désintéressement total de toutes les chaînes de télévision pour les films sur l'art. Ah oui? Ah, ça, c'est inexplicable, mais c'est comme ça. En Belgique? Dans le monde entier. Oui. Si vous introduisez, à part Palette de Jaubert, qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez comme film sur l'art? Vous avez actuellement une formule hybride chez chez Arte, où un commentateur fait en quelques minutes l'exploration d'un ah tableau. Oui. Ouais, mais vous n'en voyez plus. Non. Alors, il y en a des centaines, vous verrez que le film sur l'art s'occupe toujours de stocker les films les plus intéressants. Il y en a beaucoup, mais on ne les voit plus sur la chaîne de télévision. Et les chaînes de télévision ne collaborent plus à la production de films sur l'art. Donc il y a un temps mort. Mm. Bon. Peut-être que parce que l'art est mort aussi. L'art traditionnel est mort aussi. Oui. Peut-être qu'il y a une crise aussi. C'est vrai que c'est difficile maintenant de filmer les nouvelles formes d'art contemporain, que ce mais soit les installations. C'est infilmable. Oui, bien sûr. Comment voulez-vous? Non, c'est ça, ça c'est se pas... manifeste comme un événement bon, mais destiné à disparaître. Et donc, je crois que le film sur l'art connaît une crise semblable à l'art, proprement dit, qui se cherche. Oui, c'est vrai que ça peut... J'espère qu'il retrouvera son art bientôt. Mais justement, je voulais aussi émettre une hypothèse par rapport à ces films un peu palimpsestes, comme ceux de Claudio Pacienza ou d'Eric Powals, où oui, en fait, il est question de l'art, mais parmi d'autres histoires très enchevêtrées. Oui, oui. Peut-être que c'est ça la nouvelle forme du... Enfin, on ne peut pas dire du film sur l'art, mais de l'art dans le film. Peut-être, oui. Peut-être. C'est... Justement, en c'est tout cas, une trace. C'est une direction intéressante, cas. Mais ça n'épuise pas le problème. Non. Je crois que. Et c'est vrai qu'hier, on était avec Thierry Zeno, et il nous disait qu'il a complètement abandonné ses projets qu'il avait eus autour de Félicien Rops. Qu'aujourd'hui, ben, il a réalisé, par exemple, des installations vidéo. Et qui est en train d'apprendre After Effects. Enfin, il n'est plus du tout, pour lui, bon, déjà, ça devient, comme vous dites, impossible à financer. Oui, exactement, impossible. Donc, c'est un problème majeur, parce que c'est vrai que comment on peut réaliser un film sans aucun subventionnement, ça reste... Non, c'est vrai que, bon, il s'occupe du fonds autour de Félicien Rops, donc... Il a tout à fait une autre activité, mais il ne réalise plus actuellement de films sur l'art. Alors, qu'est-ce que Jacqueline vous a recommandé encore?
Oui, alors. Cobra en Afrique, dont oui. vous m'avez parlé. Donc elle a participé de. Justement, elle analyse mes films sonores. Voilà. Oui, oui. Et c'est vrai que visiblement, c'est, la Belgique, c'est la personne qui a le plus travaillé sur ce sujet-là. Mais elle a travaillé sur le film documentaire en général. Et vous savez que c'est la maman de Florence. Oui, oui. Elle est très courageuse, d'ailleurs. Oui. Elle est présidente du Centre d'un atelier de production de documentaires, le CBA, le Centre bruxellois de l'audiovisuel. D'accord. Et elle fait partie aussi du Fonds Henri Storck, elle est secrétaire générale. Je suis président du Fonds Henri Storck, donc nous le voyons souvent. D'accord. Elle est très courageuse et très au courant de la production documentaire en général. Le film sur l'art n'est qu'un des aspects de ses activités. Mmh. C'est vrai, et d'ailleurs, Henri Storck a fait beaucoup de films documentaires et il s'est passionné pour le film sur l'art à la fin de sa vie. Hein. Il a fait le premier film sur l'art qu'il ait fait, je crois. C'est à la fin de la guerre, au moment de l'armistice, le film sur Delvaux, qui est un chef-d'œuvre, à mon avis, parce que il a fait plusieurs films sur Delvaux, mais je préfère son film, le premier, en noir et blanc. Alors c'est directement lui qui filmait à la caméra sur les toiles de Delvaux, au moment d'une grande exposition à Bruxelles, en 1944. D'accord. Alors, Le Monde de Paul Delvaux est un chef-d'œuvre, pourquoi? Parce que c'est une synthèse parfaite de l'image et du son. C'est le poème dit par Palais Noir sur Delvaux, et la musique d'André Souris suit admirablement les mouvements de la caméra. Et donc, c'est aucune explication, c'est pas du tout un film pédagogique, c'est un film qui entre dans l'univers de Paul Delvaux par le son et par l'image. Qui crée sa propre poésie autour de. Oui, de cette... mais c'est un film que. Certains trouvent suranné, mais je crois que peu de films sont aussi exigeants, aussi purs. Ça dure, je crois, 11 minutes. Oui. Et par rapport à la notion de commande, vous aviez beaucoup de liberté pour réaliser ces films, ou alors vous étiez quand même tenu. C'est la télévision belge naissante qui m'a demandé un film sur Magritte, que je ne connaissais pas. J'étais en harmonie avec le mouvement surréaliste français, mais je ne l'avais pas fréquenté, les surréalistes belges, parce qu'ils étaient marxistes à l'époque. Et au moment où j'ai été voir André Breton, c'était en 1946, je crois, à son retard des États-Unis, et il avait reçu de Magritte, de René Magritte, à l'époque où je ne maniais pas encore la caméra, un télégramme de René Magritte lui proposant, qui était devenu communiste, de chanter les journées ensoleillées, de mettre en suspens tout ce qui concernait la nuit. Bon, alors, évidemment, comme le surréalisme avait fait fond sur le rêve, André Breton lui a répondu sèchement, antidialectique et cousu de fil. Et alors, Breton avait reçu un télégramme en retour, immédiatement de Magritte, qui nous a dit avec un sourire amusé, le fil blanc est sur votre bobine. Bon, c'est-à-dire que, bon, après, d'ailleurs, André Breton a cessé de se brouiller avec Magritte, mais elle se réconciliait immédiatement après, il avait une admiration immense pour lui. Alors, j'ai emprunté plus tard à Magritte le titre du film que me demandait la télévision belge naissante, Magritte ou la leçon de choses. En effet, dans le surréalisme et la peinture, vous ne trouverez qu'une dizaine de lignes sur Magritte, mais tout à fait étonnante, dans laquelle André Breton disait, dans ce texte, il disait que Magritte avait instruit une leçon de choses. Alors évidemment, après, j'ai été voir le ministère, le service cinématographique du ministère de l'Instruction publique, qui était le grand commanditaire de films documentaires dits pédagogiques. Bon, évidemment, je n'avais pas du tout l'intention de faire un film pédagogique, j'avais l'intention de faire un film explorant la pensée, le mystère de Magritte. Et quand j'ai soumis mon scénario, le plus haut fonctionnaire,
du ministère de l'Éducation nationale m'a dit que l'État belge ne donnerait pas un franc pour ce pitre. Bon, alors, il se fait que j'avais un ami dans le cabinet du ministre et qui m'a dit qu'il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est demander un rendez-vous au ministre et exposer ta thèse. Eh bien, j'ai obtenu ce rendez-vous. Et le ministre, qui était un peu moins bête que son fonctionnaire, m'a accordé le supplément que je demandais parce que je voulais faire un film en couleur. Et la télévision n'avait pas les moyens, actuellement, à cette époque-là, de me donner l'argent nécessaire. Donc j'ai pu faire ce film grâce à la télévision et au ministère. D'accord. Alors, il a été projeté dans les salles parce que c'était à l'époque où encore les documentaires, comme on disait, les courts-métrages, au maximum de 20 minutes, avait droit d'accès à l'écran. Et j'ai accompagné Marion Bat dans sa tournée en Belgique. Alors, Magritte a assisté à la... D'abord, il s'est tenté de savoir si son petit chien, Loulou, était admis. Bon, elle a dit oui. Bon, alors, il a assisté à la première projection et il m'a dit « Votre film, c'est pas mal, mais je regrette beaucoup la musique. » Parce que... il voulait du Mozart... Je suppose comme ça. Et j'avais demandé la musique à André Souris, qui avait partie du groupe surréaliste belge, le seul musicien surréaliste. D'accord. Et qui avait fait d'ailleurs la musique avec succès du film d'Henri Storck, Le monde de Paul Delvaux, dont je vous ai parlé il y a un instant. D'accord. Alors, André Magritte, pour René Magritte, André Souris était tout à fait exclu parce qu'il avait dirigé une messe catholique en l'honneur de je ne sais pas de qui. D'accord. Magritte était très, le surréalisme belge était très... donc il n'était pas question de... Alors bon, André Souris m'a recommandé Célestin de Liège, qui a fait plusieurs musiques de films pour Henri Storck et pour moi. Et il a fait une musique que je trouve parfaite. Mais Magritte toujours a trouvé que c'était une musique qui, à la rigueur, pourrait accompagner un documentaire sur la fabrication de balles de concert, mais pas sur sa peinture. Voilà. D'accord. Bon, voilà. Toujours est-il que André Breton, qui ignorait complètement à cette époque que j'étais l'auteur du film, a félicité Marlène Magritte de sa prestation. On l'a retrouvé dans les papiers de René Magritte. Une lettre très élogieuse sur sa prestation dans le film. Voilà. Donc, c'est vrai que la télévision s'intéressait à cette époque au film. Elle vous laissait libre, par contre. Alors, une vous fois que le ministre avait dit oui, contrainte. On ne l'a pas embêté. Ah, d'accord. Il n'a pas du tout mis. Mais alors, évidemment, le film était au catalogue des films pédagogiques produits par le ministère et l'instituteur de mon fils. Croyant que c'était une leçon de choses, mon fils avait 7 ou 8 ans, avait programmé le film. Alors, quand il a vu, mon fils m'a raconté l'histoire après, quand il a vu une femme nue de Magritte, il a mis sa main devant l'écran et il a arrêté la projection. Donc le film n'était pas du tout pédagogique. Mm. Et donc on avait une grande liberté de sujet. Ce que Thierry Desgenaux me disait, c'est que maintenant il y a des grilles tellement... précise par rapport à la durée, par rapport aux contraintes, oui. Bah, que ça n'a plus, pour lui, il n'a plus envie d'essayer d'entrer dans toutes ces contraintes. Et ça devient très compliqué de faire un documentaire avec un point de vue d'auteur, puisque c'est ça c'était ça le but d'Henri Storck, le but qu'il a animé toute sa vie. Et il a repris la formule de Jean Vigo, un documentaire est un document, est un film documenté. Donc ça impliquait une recherche et une expression d'un sentiment personnel. Mm. C'est vrai que c'est de plus en plus difficile. Et la télévision relaye les salles de cinéma puisque vous ne voyez plus de documentaires dans les salles. Sauf s'ils se substituent pour des festivals, oui. Oui, pour des festivals. Oui, mais non, les festivals, ça c'est autre chose. Mais oui. Les festivals, c'est un secteur de distribution tout à fait étranger. Mmh. À la distribution réelle des télévisions, qui en effet ont formaté le film de fiction, le film documentaire, de telle façon que l'expression individuelle n'est plus possible. Mmh. Et
la notion de la liberté. Bien sûr, nous devions lutter contre certains producteurs, et Storck, Henri Storck, a fait beaucoup de films de commande. Mais il a fait au moins 10 chefs-d'œuvre où il s'est exprimé librement. Donc il y avait moyen encore de se glisser dans le système. Aujourd'hui, le système est tout à fait bloqué. Et vous, c'est pareil, vous avez, enfin, la plupart des films que vous avez réalisés étaient des films de commande aussi ? Non. Enfin, commande au sens où vous aviez encore... Comme j'ai fait participer à Cobra, j'ai fait, longtemps après la dissolution du mouvement, un film sur mes amis, Alechinsky et d'autres mots. Et j'ai trouvé, grâce à Alechinsky, un producteur français, c'est une coproduction française, et belgo-française, et j'ai aussi intéressé le ministère de la Culture, naissant, qui commençait timidement à encourager la production cinématographique. Et pour le d'autres mots, nous l'avons fait au Fred Alechinsky. Et après, j'ai intéressé le ministère de la Culture aussi. Alors le film a été projeté dans au moment où Alechinsky et d'autres mots occupaient le pavillon belge à Venise. Et donc c'était pour Venise, pour compléter le film que j'avais fait sur Alechinsky, que j'ai produit et réalisé le film sur d'autres mots. La Biennale d'art de Venise. Donc. Alors, ou pour le festival de la Nostra. C'est pour la Biennale de Venise. Le festival. D'accord. Alors, le dernier film que j'ai fait, c'est tout à fait avec un producteur privé et avec l'aide des télévisions aussi. James Ensor. James Ensor avait une grande rétrospective à Paris, organisée par la communauté flamande. Parce que vous devez savoir qu'il y a deux ministres de la Culture et que la tension est très vive actuellement entre les Flamands et les Wallons. Les francophones, disons, et les Flamands. Alors, j'ai tout de même réussi... à ce moment-là, le ministère de l'Éducation nationale flamande ne subsidiait que les films de fiction. Et on m'a vivement recommandé de faire un film de fiction. Exactement comme Henri Storck, qui m'a vivement déconseillé de le suivre dans cette voie fâcheuse, avait fait pour Permec. Il a fait Permec en association avec un réalisateur belge et entièrement, il a fictionnalisé donc quelqu'un. Ils ont trouvé un scénario où le journaliste enquête sur le personnage que pouvait être Permec et on s'intéressait plus au personnage qu'à sa réalisation. Mais c'est toujours un peu le problème. J'ai reçu un premier refus de la communauté française. Alors, je chef de cabinet que je connaissais, de 10 ministères, qui avait compris que le cinéma c'était aussi le documentaire, a convaincu son ministre de me donner le supplément. Alors, j'ai reçu aussi l'aide de. Enfin, la production, car ce n'est pas moi qui étais producteur. L'aide d'Arte et des deux télévisions nationales belges. Et le film fait rarissime dans notre pays, a été programmé le même jour par les deux télévisions. D'accord. Donc, et Arte a collaboré aussi. D'accord. Donc ça c'est le film fait dans les conditions nouvelles avec l'aide des télévisions encore, mais je crois qu'aujourd'hui... Et à chaque fois vous avez eu aussi une diffusion en salle et une subvention du ministère flamand. Et vous tourniez en 35 mm alors ? J'ai fait un film sur la Belgique qui s'appelait pour expliquer aux Français ce qu'était, aux Européens en général, ce qu'était l'histoire compliquée de notre pays. Ignoré complètement d'ailleurs, je me suis rendu compte, en proposant le scénario à Arte. Et Arte a marché dans l'affaire. Mais la monteuse, qui était française, ignorait complètement l'histoire de la Belgique. Elle m'a dit, qu'est-ce que les Hollandais faisaient chez vous? Alors j'ai commencé l'histoire de la Belgique. J'ai dit, Napoléon, vous connaissez, évidemment. Eh bien, Napoléon a été battu en Belgique et nous sommes devenus Hollandais à la faveur de cette défaite. Bon, après, donc j'ai raconté l'histoire de la Belgique et j'ai prévu, déjà il y a quelques années, que la Belgique allait éclater. Et j'ai appelé le film dont j'étais belge. Alors, la télévision francophone a accepté le scénario, est refusée par la communauté flamande parce que je n'étais pas assez flamand.
je divulguais le silence qui avait pesé sur l'aristocratie et la bourgeoisie flamande en Belgique au XIXe siècle. Ils étaient d'accord, mais le XXe siècle, ce n'était plus assez flamingant. Donc voilà, voilà comment j'ai fait mes derniers films. Celui-ci, c'est votre dernier film. Pardon. C'est votre nom. Oui, c'est mon dernier film. D'accord. Bah, je suis aussi étonnant, comme vous savez. Oui, peut-être. Oui. Donc, j'ai deux bouquins. Et vous êtes enseignant aussi. Non, j'étais enseignant, mais je suis maintenant professeur émérite depuis plus de 10 ans. D'accord. Et l'éditeur Complexe va éditer deux ouvrages d'anthologie. Ah, d'accord. Non, c'est vrai que ben, moi j'ai découvert le. Enfin, j'avais la chance d'avoir, bien avant de faire ces études, eu accès à un cinéma de qualité par des lieux comme le cinéma Le Crac à Valence, qui faisait une programmation vraiment très intéressante et pointue. Ou après, quand on était à Saint-Étienne, il y avait un cinéma aussi de France, RLC, qui avait une très bonne programmation. Donc des gens qui nous ont fait passer des choses par rapport à des festivals, etc. Et puis c'est vrai qu'après, ben, c'est mon directeur de recherche qui m'a vraiment... Parce qu'au départ, quand je suis arrivée en maîtrise, bon, je n'avais que ma connaissance de cinéphile et aucune connaissance théorique des ouvrages consacrés au cinéma. Bon, j'avais pour moi d'avoir fait des études de l'ES qui me donnaient des bases au niveau de la rédaction, des choses comme ça. Mais je suis arrivée quand même assez naïvement là, au milieu, en disant, ben voilà, j'aime... tel film, et je voulais savoir si c'était possible de l'étudier dans le cadre d'une maîtrise. Et du coup, la première année, j'ai travaillé sur l'utilisation des caméras numériques dans le cinéma contemporain, et avec un corpus assez réduit, Les glaneurs et la glaneuse d'Agnès Varda, Vie d'Alain Cavalier et Le manteau de Robert Kramer. Et c'est vrai que c'est à partir de là que je suis vraiment entrée en contact avec ce directeur de recherche qui est un grand admirateur du cinéma documentaire et qui puis aussi, c'est intéressant, fait découvrir des choses pas forcément connues dans les films documentaires et nous emmène sur des territoires du coup passionnants. En tous les Bien. Cas. En tout cas... On se reverra lundi. Hein. Oui, voilà. Ben merci beaucoup. Donc je peux garder. Oui, oui, ça. Merci. Regardez. Malheureusement, je n'ai pas d'exemplaire. Non, mais c'est ceci. Pas moi, je trouverai, je pense. Hein. Vous les trouverez. Oui.